Et... Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce Cri Twitch. Bonjour au public qui est là. Bonjour à nos intervenants et intervenantes. Sophia Versavo, Bonjour. alias Game Spectrum, réalisatrice de documentaires et autrice. Et Pierre-Louis Patoine, Bonjour. maître de conférence à Paris 3 en littérature anglaise et aussi spécialiste de Final Fantasy. Aujourd'hui, ça sera mon rôle. Voilà. Alors, on lance tout de suite la cinématique de début. Alors, on voit le désert qui va amener à la ville très industrielle. On voit déjà la thématique écologique dans les deux premiers points. Voilà, parce que le principe du Cri Twitch, vous le savez peut-être, c'est justement que à partir d'un jeu, on choisit une thématique. Aujourd'hui, ça sera l'écologie. Et on a des personnes qui vont en discuter, c'est-à-dire nous. Et notre complice Pierre, que vous voyez ici juste à ma droite, qui est notre joueur et qui va pouvoir un petit peu être à notre service si on veut lui demander de regarder telle ou telle chose. Voilà. Du coup, on part tout de suite sur cette séquence. Je vais quand même préciser qu'on est donc dans le cadre du festival à la microfolie de Noisy-le-Sec. Et que du coup c'est un partenariat entre l'association Fight Combo et la Microfolie. Alors, ce petit toboggan iconique, qu'est-ce qu'il t'évoque, Pierre-Louis? Eh ben, ce toboggan iconique m'évoque évidemment le lien avec toutes les images clés du premier opus, donc le FF7 original. Ben, j'aime bien cette intro parce qu'on voit bien d'emblée tout cette ville assez jolie, technologiquement avancée, puis on va rapidement constater que voilà, ce développement se paye d'un prix écologique certain. Mais pour l'instant, on introduit plutôt Aerith. Voilà, donc le personnage Aerith. Alors, il y a des commentaires sur le chat sur le son du jeu qui serait un petit peu fort. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu cette cinématique qui est donc une cinématique retravaillée par rapport à... Il y avait déjà une cinématique à l'époque impressionnante pour l'époque, hein, pour 1996, parce qu'évidemment, on va parler du fait qu'il s'agit d'un remake, d'un jeu qui a été refait et qui a été en fait pas mal augmenté pour se concentrer principalement sur cette ville de Midgar qu'on découvre ici et la marchande de fleurs bousculée à Aerith. Ce qui introduit déjà peut-être une clé de lecture sur les grands thèmes du jeu. Les fleurs qui s'écrasent, tout est dit déjà. Voilà que c'est la seule qui est concernée par ce bout finalement de nature qu'elle a dans les mains avec les fleurs et que tous les gens qui habitent dans la ville sont complètement aliénés à cette nature-là. Un peu, on voit et que c'est la seule qui a l'air d'y être un peu sensible encore. Bon, après, je pense à un lien aussi. On peut faire un lien du coup direct avec genre toutes les théories écoféministes qui ramènent des fois beaucoup la femme à ce rôle un peu de... Ouais, genre de défense de la nature et tout ça, parce qu'elle y est renvoyée en fait par le patriarcat, notamment par la reproduction, tout ça. Enfin, je suis déjà parti très loin, très vite, mais en tout cas, et là, j'adore ce plan, je trouve incroyable avec ce travelling arrière où, qui révèle la ville hyper technologique avec les gros tuyaux.
déjà ça. Certes. Ça. Disons que tu joues pas dans la même catégorie. Allez, c'est bon. J'aurais pas dû demander. C'est comme comparer. C'est bon, je t'ai dit. C'était couru d'avance. Cloud, regarde! Je t'ai envoyé l'ascenseur! On t'attend plus loin! Ça devrait être facile. Tu vas rien comprendre. Je serai sans pitié. Ça suffit. J'ai même pas forcé. Thank you.
Alors, est-ce que vous... Mais vous voyez pas bouger le, les waveforms audio sur le... Alors, est-ce que vous entendez maintenant les viewers ou pas du tout? Je peux pas écrire dans le chat en plus parce qu'il n'y a pas de compte sur, sur, sur l'ordi de... Ouais, j'ai mis un message, moi, pour, ouais. Alors, est-ce qu'ils nous entendent pendant que Cloud a des petits mots de tête? Voilà, ah, on super. Nous entend. Donc, on était en train de parler du groupe Avalanche qui fait des sabotages. Ouais, bah, si, si pour résumer vite fait, en gros, on disait que là, là, l'objectif de la mission, c'est de détruire un réacteur à énergie qui s'apparente à un réacteur nucléaire, mais que, comme toi, tu le disais, ça, en fait, l'énergie, c'est plus une énergie fossile, au final, parce qu'elle a extrait voilà, des âmes, des morts et tout ça. Et du coup, on joue en fait, à un groupe éco-terroriste qui va faire exploser un réacteur pour un peu sauver la planète et tout ça. Et du coup, on parlait un peu de comment le jeu traite la violence en fait, dans l'activisme politique, parce que clairement, bah, là, on joue des militants politiques, en fait, on joue des militants écologistes qui sont prêts à tuer et à faire exploser des réacteurs pour, en gros, sauver le, la planète, on va dire. Et du coup, une forme de... Ouais, de genre, ça épouse un peu une forme de radicalité politique et de... d'acceptation de la violence en politique, en fait, moi qui m'étonnais vachement pour un blockbuster comme ça, financé bah, par une industrie aussi quand même, et financé à plusieurs millions de dollars et tout, donc c'est, moi je trouvais ça assez incroyable, parce que ouais, comme je disais souvent dans les œuvres même hollywoodiennes ou quoi, ça va être un peu éteint quoi, cet aspect, genre la violence c'est bien, alors que là dans ce jeu, il y a des débats entre les personnages, mais quand même t'as ce truc de héroïsation quand même de la violence, quand elle est justifiée politiquement. Quoi. Oui, tout à fait. D'autant plus surprenant peut-être dans une industrie comme tu disais dans ton documentaire qui elle-même dépend bah, forcément comme la plupart des activités industrielles, mais de l'extraction de ressources naturelles, faites dans des conditions pas toujours, disons, éthiques. Mais ce qui est intéressant aussi, mais puis même en fait, le jeu va assez loin dans le commentaire ou le questionnement de cette de cet éco-terrorisme, parce que par exemple, la Shinra va détourner l'action d'Avalanche. Donc Avalanche, c'est ce groupe éco-terroriste. Il va le détourner à ses propres fins. C'est l'entreprise qui possède cette énergie et qui possède un peu la ville de Midgar aussi, du coup. Donc ça pose aussi des questions de démocratie. Voilà, l'entreprise, elle a tellement de pouvoir que c'est elle qui dirige, finalement, complètement. Oui, puis en fait, c'est intéressant parce qu'elle exerce son pouvoir sans accountability. Elle n'est pas à rendre compte puisque ce n'est pas un État. Donc elle a la puissance d'un État militaire, territorial. Mais sans... Oui, c'est un peu un régime autocratique, quoi, en fait. Ça, c'est une... Mais c'est même carrément une corporation qui exerce, en fait, son pouvoir à la place d'un État. Cette question-là, elle est un petit peu déplacée. Et puis, c'est intéressant parce que dans tous les Final Fantasy précédents, il y avait des discours déjà un petit peu similaires sur l'écologie, même si c'était plus abstrait parce que c'était l'énergie de la planète. Mais c'était toujours articulé avec des empires. Justement très agressif. D'ailleurs, on voit les bureaux de la Shinra là. En phase d'expansion, voilà, ça c'est les... Et on voit aussi du coup les différences esthétiques que j'en ai vu au début du jeu, qu'on commençait par un désert, donc qui montre un peu peut-être tout ce qui a été grignoté par la corporation, puis à quoi ça a servi, c'est à créer une énorme ville dans laquelle les gens sont complètement aliénés, un peu à la nature, notamment avec Aerys qui fait tomber les fleurs et tout le monde marche dessus. Et là, du coup, on voit cette corporation voilà, qui fait très méchant Star Wars et tout ça, mais dans l'esthétique où c'est très voilà, froid. Et puis lui, voilà, avec sa moustache et ses cigares, il a aussi très une esthétique voilà, de patron, en fait, vraiment, je trouve. Vraiment, là, le méchant, pour le coup, il est incarné par quelqu'un qui ressemble à un patron classique de l'entreprise qui est Kotoka 40, alors que les héros, voilà, on a ce personnage noir hyper baraqué, à moitié cyborg, on a une meuf hyper badass, on a ce blondinet voilà, androgyne, correspond un peu aux critères de la masculinité japonaise, mais qui interroge un peu plus les critères de la masculinité genre occidentale, je trouve. Et du coup, on voit clairement que ouais, c'est un jeu qui genre prend un parti, je trouve, qui est, moi en tout cas, qui me plaît beaucoup. Oui, puis il y aura même un animal, parce que Red 13 ou Rouge 13, je sais pas en français. Voilà, donc c'est notre équipe de héros, effectivement, est un composite d'humains, de non-humains, de cyborgs. Donc il y a un côté effectivement un peu queer à l'équipe qui. Face à une entreprise plutôt classiquement patriarcale. D'ailleurs, le président Shinra dit quelque chose d'intéressant. Non, le fils du président Rufus, à la fin, bon, je vous spoil un peu, c'est pas vraiment un spoiler. Le président meurt et son fils prend le relais. Il va dire que son père, lui, gérait l'entreprise. Il contrôlait la population en la protégeant donc, et en la salariant.
Rufus va dire, ouais, ça c'est à l'ancienne, moi je vais juste la contrôler en les terrorisant. Mmh. Donc il y a une transition, un changement de paradigme, mais il y a une vraie représentation, une vraie question de comment le pouvoir est exercé. Ouais. Mais ce qui pour moi mime un peu en fait comment évoluent souvent les régimes démocratiques sous le capitalisme quand celui-ci s'affaiblit. On le voit d'ailleurs en ce moment, notamment avec la présidence de Macron, de comment on est passé d'une présidence très libérale et tout ça, à un truc très policier et très autoritaire. Et on... Peut-être que c'est un peu ça aussi que raconte le jeu, je sais pas, mais en tout cas, c'est hyper intéressant ce truc de pour pas que les gens se rebellent, en fait, on les protège et tout. Et c'est vrai que c'est un truc que le jeu il interroge à un moment, je crois, c'est cet aspect que bah, en fait, les gens se rebellent pas, ils sont assez contents parce que malgré le fait qu'ils soient régis par une corporation et qu'ils aient pas beaucoup de droits, ils ont un confort en fait matériel qui est permis par la production d'énergie qui, certes, détruit l'environnement, mais en même temps leur fournit un mode de vie qui est très confortable et qui rappelle du coup complètement la condition des gens qui jouent à ce jeu. Bah d'ailleurs, le personnage féminin qu'on voyait tout à l'heure, Jessie, qui fait partie d'Avalanche, elle dit une phrase qui va tout à fait dans ce sens, un peu plus loin dans le jeu, quand elle dit oui, elle est la fille d'employé de Shinra, et elle dit pendant que Shinra exploitait la planète, nous on menait la vie, belle vie en gros. Donc oui, ce discours il est là, présent, bien présent dans le jeu. Oui, et qui du coup rappelle notre réalité à nous, parce que déjà pour jouer à ce jeu, ça demande notamment la machine sur laquelle on joue, le fait que ce soit un remake aussi, donc soit complètement pas écologique en soi, parce que c'est, on va vous faire jouer à la même histoire, mais on va mettre beaucoup plus de moyens dedans, et du coup ça va demander beaucoup plus de ressources pour la parcourir et tout ça. Donc c'est aussi une question qu'on peut poser. Et puis pour y jouer, du coup, il faut avoir un accès à l'énergie qui permet d'alimenter la console et l'écran sur lequel on va jouer. Et voilà, par exemple, on peut penser qu'en France, beaucoup de notre confort énergétique en fait dépend du nucléaire. On marche beaucoup du nucléaire. Et le nucléaire, ça pose la question de la colonisation et de comment on extrait en fait l'uranium en Afrique, les conditions plus ou moins démocratiques de cette extraction, et puis comment on est néocolonial en fait. Et notre confort en fait il repose complètement sur l'exploitation. Et si on a un pays riche aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des pays pauvres aussi. Et du coup, je trouve ça trop bien que le jeu aussi parle de ça. Et qu'en même temps, il est dans ce truc un peu ambigu où il en parle tout en étant complètement un produit et qu'il n'existerait pas sans ça aussi. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir comment les prochains, la suite de ce remake va poursuivre dans cette lancée critique, puisque après, on va voir des villes entièrement détruites par la Shinra, des populations qui ont été contaminées, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment. Ce premier épisode dans Midgar est évidemment vraiment centré sur l'action éco-terroriste d'Avalanche, mais ensuite les questions changent d'échelle un peu, donc on va passer d'une question plus urbaine à une échelle plus vaste, continentale au fond, de rapport avec Wutai par exemple, qui est une autre culture, il y a une histoire militaire un peu bon. Mais ça, j'ai bien hâte de voir personnellement comment ils vont explorer ces questions justement, un peu de colonialisme, en tout cas d'impérialisme, de conquête de territoire en vue de s'en approprier les ressources. Voilà. Bah, c'est une des dynamiques de l'original, c'est que dans les Final Fantasy de l'époque, on avait ce qu'on appelle l'overworld, c'est-à-dire qu'on avait la carte qu'on pouvait parcourir, qui était modélisée différemment, en vue de haut, un petit peu comme dans un jeu de stratégie. Et en tout cas, c'est sûr qu'une des ambiguïtés du jeu de rôle, à mon sens, ça a été que en fait, l'exploration et le fait de s'approprier et de finir par maîtriser l'entièreté de la carte est quand même un des grands moteurs du jeu, même si évidemment, c'est différent que dans un jeu de stratégie, parce qu'on n'a pas forcément de dynamique de contrôle, mais par contre, on a cette dynamique un petit peu exploratoire et qui est aussi... s'articule un petit peu avec les safe space, c'est-à-dire les endroits, les villages qu'on avait dans Final Fantasy VII original, qui sont des villages où il ne se passe pas grand-chose et qui sont assez bucoliques, avec les lieux plus dangereux, plus dévastés. Là, le choix, de toute évidence, il est différent, vu qu'on va se concentrer plutôt uniquement sur cette ville, même si on va avoir quelques petites respirations, parce que la différence, c'est que le remake permet en fait de vraiment... découvrir la vie des habitants et de développer beaucoup plus les PNJ, notamment les personnages non joueurs. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que Pierre-Louis, dans l'article que tu avais écrit sur l'écologie dans Final Fantasy VII, tu parlais beaucoup de la poésie qui se dégageait, de comment l'histoire était en fait souvent
une atmosphère plus qu'une histoire et qui passait vraiment par les répliques des PNJ. Alors ici, pour le coup, maintenant, il y en a 10 fois plus. Ouais, mais en fait, je sais pas ce que vous en pensez, les gens sur le chat ou ceux qui ont joué à ce jeu, mais en fait, là, maintenant, quand on se promène dans la ville, donc là, on est vraiment dans des scènes d'action, mais après, quand on se promène dans des espaces habités, on entend les personnages non-joueurs parler, dire, mais quand on passe à côté d'eux. Donc, d'un côté, c'est plus naturel, mais en même temps, moi, je sais que comme joueur, je les écoute plus, que je trace vers mon objectif du coup, alors que mettons dans le format dans l'original, bah, faut appuyer sur X pour parler à chaque personnage non joueur, du coup bah, tu lis ce que le personnage dit, donc y a, comme on perd un petit peu, je trouve, d'une certaine façon on se concentre moins peut-être sur ces paroles de personnages non joueurs, alors qu'elles étaient souvent assez intéressantes, poétiques effectivement, et surtout elles servaient à rien, elles donnaient aucune information utile, du coup elle ne faisait que renforcer cet aspect politique un peu du jeu, on est un peu dans le non-utilitaire. Donc je pense que c'est ça qui est important, parfois qui est difficile dans des jeux plus récents, de laisser de la place à l'inutile en fait. Et souvent le design est très streamlined, très orienté vers diriger le joueur, je sais pas. Ça dépend des jeux évidemment. Alors on parlait un petit peu, on a beaucoup parlé des méchants, de la Shinra. Mais il faut voir que ce groupe Avalanche est aussi traversé, en tout cas au début, par ses propres conflits qui tournent notamment autour du fait que Cloud intervient ici en tant que mercenaire. Hein. Il n'est pas ici parce qu'il est convaincu ou parce qu'il croit en la cause qu'il défend, mais pour l'argent et aussi pour faire un petit peu plaisir à son ami d'enfance, Tifa. Et ensuite, ça va changer un petit peu progressivement. Notamment dans la rivalité qui va se construire avec le personnage de Sephiroth. Voilà. Et Sephiroth qui vient complexifier un petit peu les choses, Pierre-Louis, parce que la Shinra veut s'enrichir et contrôler l'énergie de la planète. Sephiroth, ça devient encore un petit peu plus compliqué. Sephiroth, c'est le grand méchant un peu du jeu. Ça. Voilà, qu'elle est les longs cheveux gris et une très très grande épée. Et qu'on n'a pas encore vu encore, voilà, du coup. Qu'on n'a pas encore vu. Qui est pareil aussi un peu androgyne. Oui, mais effectivement, avec Sephiroth, on passe dans un schéma un peu plus classique, c'est-à-dire que le méchant ne sera plus la corporation, mais cet être diabolique qui, en fait, a été créé. C'est comme une genre de bio-ingénierie, c'est-à-dire que son père, c'est le professeur Ojo, le méchant Ojo, qui a injecté des cellules extraterrestres dans le fœtus de sa femme, en fait. Voilà. Et Sephiroth est né de cette expérimentation et donc il porte en lui les gènes diaboliques de Genova. Voilà, ce qui va donner lieu à certaines scènes de bio-horreur assez juteuses. Alors qu'est-ce que t'appelles la bio-horreur, juste peut-être pour les gens qui nous écoutent Au fond, l'horreur un peu à la Cronenberg, pas nécessairement Cronenberg, mais basée sur des éléments visqueux, biologiques, des trucs plus juteux. Là, vous voyez par exemple qu'on est dans un environnement très industriel qui domine le jeu. Des passerelles en métal, etc., des restes d'éléments logistiques, mais il y aura beaucoup des robots aussi. Mais après, il y a des moments un peu plus biologiques, dans le laboratoire, par exemple. Du coup, est-ce qu'on a un peu des fois dans un discours un peu retour à la nature, où le jeu montre même comment la médecine un peu et l'industrie se mélange en fait pour créer des cyborgs ou des trucs comme ça. Oui, il y a une scène horrible dans l'original. D'ailleurs, ça sera normalement dans le prochain, je pense. Oui, je me souviens plus si c'est dans celui-là, mais où on voit effectivement des êtres génétiquement modifiés dans des œufs, etc. Donc la Shinra, effectivement, elle a aussi ce côté biotech problématique. Mais je trouve que toutes ces thématiques-là qu'on voit, comme on l'a dit aussi avant, la colonisation, l'impérialisme, tout ça, ça rejoint beaucoup. Genre l'histoire du Japon, parce que c'est des trucs qu'on voit dans beaucoup d'œuvres japonaises, genre de Godzilla à Miyazaki, c'est des questions qui sont toujours à explorer et qui, je pense, sont en lien avec l'histoire du pays aussi, notamment le fait que ça a été un pays, une nation impérialiste et qui a colonisé toute l'Asie à une époque, une grosse partie de l'Asie de l'Est en tout cas. Donc du coup, je pense qu'il y a aussi, il raconte aussi, je pense, peut-être cette culpabilité-là, ou en tout cas cette histoire-là du Japon. Et puis après, il y a évidemment l'horreur des deux bombes nucléaires aussi qui a eu aussi son lot de biomutants, du coup, un peu finalement, puisque ça a vraiment déformé des gens, ça a amené à des cancers et tout ça. Puis avec Fukushima aussi récemment, enfin, on voit qu'ils ont une histoire, le Japon, avec la destruction et avec la colonisation et avec l'industrie aussi.
parce que après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont relevés en fait, et dans les années 80, ils avaient une espèce d'âge d'or de leur économie, où maintenant c'est une nation voilà, qui est très très informatisée et tout ça. Donc on voit que c'est aussi des thématiques qui traversent, je pense, l'histoire du pays, et que c'est une façon de, bah, de réfléchir à leur propre histoire, en fait, de raconter ces récits-là. Complètement, non, tout à fait. C'est l'ancrage dans l'histoire, ouais, dans la société japonaise est intéressant à explorer. Je veux juste, parce que là, en fait, ils sont en train de poser la bombe sur le réacteur. Et vous allez, je sais pas si on va le voir en fait dans la séquence, mais en fait, ça va être la Shinra qui va vraiment faire exploser le réacteur et non pas la petite bombe d'avalanche, puisque la Shinra veut montrer que avalanches sont vraiment mauvais, vraiment destructeurs en fait. Donc c'est un petit moment de manipulation politique ici. Comme les policiers en manif qui poussent à casser pour après diaboliser les manifestants. Ça peut arriver. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est intéressant de voir que. C'est un jeu, je trouve, qui est hyper genre actuel et pertinent, même genre sur le discours politique et sur les ambiguïtés et les désaccords qu'il peut y avoir au sein du militantisme aussi et tout ça, parce qu'on va voir après qu'il y a des désaccords sur les méthodes entre eux. Puis on va beaucoup voir du coup le récit, comme tu as dit, de Cloud qui va se radicaliser et qui va finir par adhérer aux idées, qui est un récit qu'on retrouve beaucoup, je trouve. Moi, le dernier que j'ai en tête, que j'avais aimé, je sais qu'il est assez controversé, du coup je voulais juste l'évoquer, mais notamment de Finn dans Star Wars 8, qui a ce parcours-là. Au début, il est juste dans la résistance contre l'Empire dans Star Wars pour sauver ses amis, et qu'à la fin, il se rend compte en fait de quoi repose l'Empire, de l'exploitation et tout ça, et en fait, il devient convaincu qu'il faut se battre. Et je trouve que c'est un récit qu'on voit souvent dans les œuvres comme ça. Avec des rebelles qui veulent casser les trucs. Ouais, c'est intéressant, mais même je pense que la question de l'écoterrorisme, par exemple, parce que pour ceux, moi je viens de le nouveau roman de Kim Stanley Robinson, qui est peut-être le plus grand auteur de science-fiction américaine vivant, parle aussi d'écoterrorisme. C'est forcément, ces figures, je pense, de héros en lutte contre des systèmes sont promis à un bel avenir, je crois. D'ailleurs, en France, ces dernières années, notamment la loi. Qui punit très durement les militants qui pénètrent dans les exploitations agricoles ou qui filment dans les exploitations agricoles. Il y a même une cellule qui me semble qui s'appelle Déméter, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est la cellule Déméter, une cellule de la gendarmerie qui dispose d'extrêmement beaucoup de moyens justement pour lutter contre en France l'écoterrorisme. Donc c'est pas le seul. Ouais, mais on voit que à quel point en fait ce militantisme écolo, il est dangereux pour les structures du pouvoir en place, parce que notamment quand il y a eu la COP21, quand Hollande était président, il y a eu un énorme flicage des militants écolos, et globalement il y a une grosse criminalisation en fait de plus en plus de ces militants là et il y a par exemple pendant la COP21, du coup à Paris, il y a des militants écolos qui ont été assignés à résidence pour ne pas qu'ils puissent perturber en fait le sommet, et pour ne pas qu'ils puissent revendiquer dans la rue leurs revendications écologistes. Et oui, et puis même on voit comment par exemple le nucléaire, il est très en proie au secret en fait de l'État, et pour se protéger, parce que voilà, il y a une armée qui protège ça, parce que c'est une cible privilégiée. Voilà, Greenpeace, ils avaient montré à quel point c'était facile d'attaquer une centrale nucléaire en envoyant un drone dessus, sans bombe évidemment, mais parce que Greenpeace, ils sont plus dans le pacifisme, j'ai l'impression, dans leur militantisme, mais en tout cas, c'est clair que c'est un gros enjeu de maintien du pouvoir que de savoir bien fliquer les militants écolos qui sont un peu trop vénères, quoi, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est un élément qui est important aussi à souligner, c'est que, intéressant en fait de voir, c'est que peut-être un peu problématique aussi dans la représentation de ce mouvement. Genre, si on considère qu'Avalanche, c'est effectivement des éco-terroristes, le jeu le redit plusieurs fois d'ailleurs. Mais souvent, si on a des actions. Militante, violente, de sabotage, etc. C'est bien d'avoir une sorte de proposition politique derrière, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Avalanche. Le jeu ne va pas dans cette direction-là. Après, on est vraiment dans leur action va être héroïque, épique, etc. Mais évidemment, ça ne ferait peut-être pas un jeu très intéressant de proposer au mieux. Ouais, après, ça devient un city builder où il faut construire la vie future. Ça serait articulé avec un jeu de gestion comme ça serait pas mal en fait. Parce que c'est vrai que le côté politique est vraiment, on est dans l'opposition. Oui. Mais après, derrière, je sais pas, il n'y a pas trop de construction. La proposition, elle est comme esthétique, je dirais. Ouais. Moi, la proposition qui d'ailleurs par à coup me dérange un peu, j'ai l'impression, parce qu'il y a une proposition qui est un peu de retour à la nature et un peu naturaliste comme ça, ce qu'on avait avant était mieux. Et est-ce que j'avais vu dans ton article, est-ce qu'ils articulent du coup un peu la question de la technique quand même, et de genre on va pas faire juste un retour à la nature complet, c'est pas ça le... Merci pour cette question, parce que justement c'est bien, parce que le propos est assez nuancé en fait, parce que justement là
dans ce remake, par exemple, il y a Aerith qui dit quelque chose d'assez intéressant. Au début, quand on marche avec elle sur les toits, donc c'est un peu la première fois où on interagit vraiment avec elle, elle dit « Ah, j'ai souvent pensé à quitter la ville, mais en fait, j'aime bien cette ville. » Puis elle dit « Les gens n'aiment pas le ciel de métal, les murs de béton, mais elle dit « Il y a quand même quelque chose de beau dans tous ces rêves qui se rassemblent dans l'espace urbain. » Juste un autre truc que je trouve intéressant, dans le premier opus, le grand-père de Rouge 13, qui est comme le gourou écolo en fait du jeu, dit à la fin, il est sur le airship, sur l'aéronef, à la fin il dit « J'adore l'odeur des machines, le bruit des machines, l'odeur de l'essence, c'est l'odeur du génie humain, etc. » Donc il y a aussi c'est minoritaire un peu, mais c'est pas blanc, tout noir. Mmh. Moi ça me rappelle un peu des schémas qu'on retrouve, c'est une grosse référence que j'ai en tête là, mais chez Miyazaki, parce qu'il y a aussi cette question de la nature et de l'écologie et tout, mais en même temps cette fascination pour la machinerie, pour l'inventivité humaine et l'industrie. Et donc ouais, c'est marrant de voir qu'on se débat en fait avec ça, je pense, en tant que société, et qu'il y a cette discussion quoi, entre les deux. C'est ça que moi, pour avoir pas mal étudié un peu le sujet pour mon prochain documentaire que je voulais faire sur écologie et jeux vidéo, c'est vrai que la question de la ville en fait c'est une question qui est hyper importante, parce que déjà il y a pas mal d'experts qui montrent que en fait, vivre en ville, c'est intéressant d'un point de vue écologique si on les gère mieux que maintenant, et que du coup, réinvestir de manière démocratique et écologique la ville, ça va être aussi par l'urbanisme, tout ça va être aussi un vrai enjeu en fait dans les décennies qui viennent pour lutter contre le changement climatique. Et du coup, je pense que le fait que le jeu ne rejette pas complètement cette question-là, c'est hyper intéressant et important en même temps, notamment quand on se place dans le contexte d'un mouvement écolo qui est partagé en plein de tendances différentes, et notamment les tendances de retour à nature qui peuvent être un peu fascisantes parfois, et notamment les survivalistes et tout ça, qui peuvent être un truc de il faut complètement détruire toute la civilisation parce qu'elle est mauvaise, sauf que ce qu'ils disent pas, c'est qu'en fait ça inclut de tuer des milliards de personnes derrière et ça, et donc du coup c'est pas des solutions viables en fait. Et donc c'est bien de voir que le jeu il se débat aussi avec ces questions. C'est quelque chose qu'on voit même dans beaucoup de romans contemporains post-apocalyptiques, comme par exemple Station Eleven, qui est un roman de science-fiction canadien là, qui est sorti il y a quelques années, qui est super sympa, mais c'est un peu... en fait, tout le monde est mort d'une épidémie, du coup, la troupe de théâtre joue du Shakespeare en se promenant dans des environnements bucoliques, et c'est plutôt sympa. Tu vois, en fait, la société moderne est morte maintenant... on peut vivre tranquillement dans les bois, mais en réalité, ouais, elle passe sous silence tous les morts, tous les... Voilà. Ça pose des questions. C'est des trucs qu'on peut retrouver notamment dans la deep ecology, beaucoup, et un peu chez certains collapsos aussi, ces mouvements qui se veulent très très radicales, mais qui en creux en fait sont un peu fascisants et aussi ben dans l'eugénisme aussi, parce qu'ils disent pas qui on va devoir tuer en fait si on doit faire ça. Donc, Alors il y a, on peut le dire parce que l'original est sorti il y a plus de 20 ans et que la fin de Final Fantasy VII sera dans un remake, probablement pas le suivant, mais peut-être le troisième ou quatrième dans très longtemps. Donc on peut vous spoiler parce que c'est il y a 20 ans. Et la dernière scène de Final Fantasy VII, c'est une cinématique où on a la ville de Midgar. Je vais me faire spoiler. Oui. Moi j'adore spoiler. Je suis pro spoil. Suivez vous les oreilles avec moi s'il vous plaît. Mais donc, on voit la ville de Midgar entièrement recouverte de végétation et vraisemblablement vidée de ses habitants humains. Et c'est en fait une ellipse, hein, parce que c'est 500 ans plus tard, 500 ans après l'aventure. Donc, et on se demande si les humains, entre guillemets, ont disparu ou pas, parce que c'est justement ces Rouge 13, donc le personnage de sorte de lion qui parle en fait, et qui est avec sa descendance, et c'est lui, mais que ça donne quand même un petit côté roi lion, un petit côté vraiment une image plus de la nature, et c'est eux qui vont voir Midgar et qui disparaît sous la végétation luxuriante. Oui. Je note juste du coup que la bombe a été posée et qu'on a 20 minutes du coup pour fuir avant que ça explose et que le réacteur se détruit dans le jeu. Tout à fait, on va voir qui va faire exploser la bombe, je crois. Éventuellement, si on a assez de temps. Ouais. Alors Pierre, qui a été particulièrement intrépide, parce qu'il aurait pu choisir 30 minutes, mais il est vraiment été du côté du gaming en choisissant la durée la plus courte. Donc, je me demande d'ailleurs si ça pose un vrai enjeu. La prise de risque est énorme. Okay. Alors justement, ça rappelle une sorte d'autre attentat qu'on doit faire dans Final Fantasy VIII avec un train, une de mes scènes préférées, où on doit kidnapper ou assassiner, je sais plus aussi, le kidnapper
un méchant dans un train, il faut intervertir les wagons. Et sauf qu'en fait, il se trouve que c'était une sorte de zombie bizarre qu'il avait remplacé, c'était son double. Et là, il faut choisir 10, 20, 30 ou 40 minutes avec une récompense à la clé si on le fait en 10 minutes, bien sûr. Ok, horrible. Il y a une longue histoire en fait d'action politique, un peu d'attentat dans les Final Fantasy, parce que dans le, je sais pas, par exemple, dans le 6. Il faut quand même aller aussi détruire des installations, le laboratoire voilà, de l'Empire avec, qui exploite des esprits un peu de la nature également. Donc, l'éco-terrorisme, disons, n'apparaît pas pour la première fois tout à fait dans le 7e. Et dans le 9e aussi, ça s'ouvre sur un kidnapping et donc une fausse troupe de théâtre. Donc, intéressant pour la représentation du théâtre dans un jeu vidéo. Qui va en fait kidnapper, c'est un peu des sortes de pirates. Oui, ils ont. Bah, de toute façon, la série, c'est ce qui est intéressant aussi, je pense, pour les joueurs un peu fans, c'est que de suivre les motifs. Tu sais, c'est pas toujours la même histoire, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent. Même lui, par exemple, vous voyez Cloud, là, on va découvrir au fur et à mesure du jeu que des petits problèmes psychologiques, même on l'a vu. Des gros, même. Hein. Ouais, des gros. Puis c'est pareil, je sais pas pareil, mais ça rappelle un peu Tidus du 10, par exemple, qui est contaminé par la toxine de Cine, puis qu'il y a des ruptures comme ça de conscience, donc c'est des motifs qui reviennent de jeu en jeu. Est-ce que c'est une façon de montrer aussi les effets du coup de l'industrie, tout ça, sur les corps aussi et les esprits et... Okay. Oui, complètement. Les effets sont pas que sociologiques, ils sont aussi sur la psychologie individuelle. Donc c'est une des richesses de ce jeu, je trouve, de combiner toutes ces échelles. Oui, c'est un jeu qui est presque un peu psychanalytique parce que sans trop en dévoiler, en gros, Cloud, il a un petit peu des problèmes de mémoire. Il a aussi des souvenirs qui ne sont pas forcément ses souvenirs. Il a aussi une identité qui va un petit peu se créer qui n'est pas forcément sa vraie identité. Et tout ça, ça passe un peu par le prisme d'un stress post-traumatique, en fait. Oui, il n'a pas une vie facile, Cloud, effectivement. Ça rappelle aussi beaucoup des tropes vidéoludiques, ouais, du héros qui est un peu un canevas blanc. Comme ça, le joueur peut aussi peut-être plus construire dessus puisqu'il l'incarne. C'est un truc qu'on revoit souvent dans les Zelda aussi, où Link est toujours pas très bavard et tout. Ouais, c'est intéressant. En fait, moi, j'étais surpris en rejouant le remake de voir, parce qu'effectivement, dans l'original, là, du coup, il est vraiment canevas parce qu'il est tellement peu expressif. Bon, comme le jeu est moins, il y a moins de dialogue, etc. Bon, mais là, du coup, ils ont été obligés de le rendre un peu sympathique, ce qui est un peu étrange par rapport au premier, alors que dans le premier, il est tellement mystérieux et opaque comme personnage. Du coup, là, il sourit pas dans celui-là, mais parfois presque. C'est quand même waouh. On nous dit dans le chat que le volume des micros pourrait être un tout petit peu monté. Il n'y a pas de questions dans le chat, je sais pas si on peut. Oui, si vous avez des questions dans le chat, des trucs que vous voulez discuter ou quoi, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. Alors, Miyazaki, Pimax qui revenait sur Miyazaki dans le chat et qui est de façon assumée l'influence principale des créateurs de Final Fantasy dès le premier épisode. Les chocobos, c'est un peu les montures qu'on a dans Nausicaa. Et le fait qu'il y ait des airships, toute cette fascination pour les sortes d'avions, voilà, et les thématiques écologiques qu'on a dans Nausicaa notamment. Je vois Epimax, c'est-à-dire qu'on parlait en chat, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un rapport forcément avec toute l'esthétique communiste en fait, puisque Miyazaki est ouvertement une personne communiste et le jeu traite un peu la question du capitalisme, j'ai l'impression, et tout. Et du coup, ben, dans l'esthétique communiste en tout cas de celle du 19e, 20e, il y avait beaucoup cette question de l'industrie, parce que les ouvriers, parce que les usines. Et du coup, on retrouve beaucoup de cette esthétique-là, en fait, notamment chez Miyazaki avec toutes les machines et l'aspect un peu steampunk des fois. Et ici, du coup, avec le côté cyberpunk et enfin, c'est un truc qui traverse aussi ces questions-là, parce que c'est là où se jouent beaucoup des enjeux, en fait, des rapports de pouvoir de l'économie capitaliste. C'est intéressant. Ouais, j'avais pas fait le lien avec Miyazaki, que je connais pas très bien. En fait, j'ai vu quelques films comme tout le monde, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que la question, mettons justement écologique, elle est traitée tout de suite. Très tôt dans la série, en lien avec forcément des pouvoirs néfastes, pas nécessairement capitalistes, mais tu sais, par exemple, le 4e opus, j'aime bien son ouverture parce qu'on suit Cécile, le chevalier noir, qui va voler le cristal de l'air au pauvre la ville de Mycidia. Puis en fait, les cristaux qui sont comme centraux dans les Final Fantasy, représentent souvent, en tout cas dans ce 4e, c'est clair, mais dans les premiers surtout, des éléments, c'est comme
la nature finalement. Donc les cristaux du feu, de l'air, de l'eau, etc. Il faut rétablir l'équilibre entre les forces élémentales. Donc c'est vraiment central dans la franchise ce rapport à l'écologie. Je pense que ouais, là, du coup la critique du capitalisme, là où elle est claire dans ce jeu-là, parce que je ne sais plus si les gens nous entendaient. Okay, une petite pause. Petite pause de petite jeu. Petite pause sur le jeu. Et... Notre joueur. Alors, c'est ouais. Pour éviter un malaise en direct, mais ça revient tout de suite. Mais du coup, voilà. Je ne sais pas si on nous entendait au début quand on parlait de ça, mais le truc, du coup, voilà, Midgard, c'est contrôlé par une corporation. Et avec un grand méchant voilà, qui ressemble beaucoup aux caricatures du méchant capitaliste avec la grosse moustache, le costard et tout. Blond. Et, ouais, blanc, ouais, qui mange, qui boit des, qui fume des cigares. Pardon, j'avais fait les trois. Très bien. Qui boit, mange et fume des cigares midi et soir. Et du coup, on voit clairement que le jeu ouais, montre l'abus en fait auquel, à quoi ça peut mener comme abus en fait ce régime, ce système économique là. Et quand il n'est pas contrôlé un minimum en tout cas. Oui, puis le jeu met en scène, c'est assez intéressant aussi, les quatre sbires, les quatre sous-directeurs de la Shinra. Donc, je ne me souviens plus, le Heidegger qui est en charge de la sécurité, Ojo le scientifique, après la femme Scarlett. En tout cas, bref, ils ont chacun leur programme. C'est assez intéressant de voir aussi différents styles corporate, en fait, différents styles de... Il y a comme une sorte de discours aussi sur ce qui se passe en entreprise, le style de management, etc. Puis les différentes personnalités aussi qui peuvent porter le programme diabolique de la Shinra, tu vois, c'est pas que ce patron. D'ailleurs, on a une question intéressante dans le chat qu'on avait évoqué un peu vite fait, mais qui dit Loubier qui dit outre le thème central de l'écologie dans la diégèse du jeu, est-ce écologique de refaire un jeu dans si du coup de ne pas ajouter un environnement déjà bien rempli. En gros, la question du remake, est-ce que c'est nécessaire et qu'est-ce que ça produit comme contre-discours un peu par rapport au discours interne du jeu et la dissonance en fait qu'il y a un peu entre les deux. Et c'est vrai parce que du coup, on disait au début, mais on nous entendait pas. Je pense que le fait que ce soit un remake, ça fait qu'on rejoue finalement la même histoire, sauf que là, elle est quand même bien augmentée et tout, mais avec un jeu qui... Elle est encore plus gourmande oui. En termes d'énergie oui, processing et tout. Mais c'est ça, parce que là, c'est du moins un moteur 3D maintenant, qui est beaucoup plus développé, c'est beaucoup plus long, parce que du coup, ils vont peut-être le faire en 3 jeux ou un truc comme ça, le jeu de base. Donc, il faut du coup jouer sur des nouvelles consoles, qui donc, sont gourmandes en ressources et en matériaux rares pour les minerais, dans les composants qu'on peut très peu recycler et qui vont être en pénurie dans les décennies qui viennent, certains en tout cas, puis l'énergie l'électricité qu'il faut pour faire tourner la console et pour la refroidir, etc. Donc on voit que finalement l'existence du jeu est complètement en dissonance avec ce que le jeu il raconte, mais je pense que ça montre aussi beaucoup de voilà, comment on se bat dans les sociétés un peu occidentales entre nos volontés oui, de sauver un peu le climat et en même temps nos modes de vie qui en dépendent complètement. Et voilà, le jeu peut-être il exprime aussi une forme de culpabilité, peut-être, je ne sais pas, des dominants. Bah oui, c'est sûr qu'il y a cette question du conflit entre la technique réelle du jeu et son discours écologique. Mais... Alors que je pense que dans des jeux, moi que je ne connais pas très bien, mais que je pense que vous connaissez mieux, qui sont justement des jeux indie, oui, plus légers, etc., là on a certainement une plus grande cohérence entre un discours écologique, puis une forme qui est effectivement et écologique aussi. Mais c'est un truc qu'on retrouve beaucoup à Hollywood aussi, hein, parce qu'Hollywood, c'est une des industries les plus polluantes du monde. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de pollution qui est créée par Hollywood. Et pour autant, ils ont beaucoup de récits, comme je pense à Avatar, par exemple, qui contre l'impérialisme, pour l'écologie et tout ça. Donc et là, ça vient ça n'a pas boom. Trop explosé, en fait. Ah, donc en fait, ils sont un peu nuls, nos militants écolos. Ouais. Oui, ils ne sont pas très efficaces à Avalanche, mais heureusement, et là, vous voyez. La les méchants capitalistes prend le contrôle sur son smartphone. Ça c'était pas dans l'original de 97. Hein. Bah, après cette cinématique d'ailleurs, on va peut-être partir sur une autre sauvegarde à un autre moment du jeu pour montrer un petit peu ce qu'on n'a pas encore vu, c'est-à-dire en fait les habitants de ce monde. Mais on va quand même terminer sur cette explosion. Il faut une grosse explosion quand même, c'est important. Bah vraiment, c'est quelque part une héroïsation des militants écolo-violents. Sauf que là, bon, y a un truc qui les montre un peu comme genre manipulés c'est aussi. Voilà. Et j'ai un peu peur des fois de ce discours-là, parce que c'est aussi un discours qui dit « Regardez, en fait, ils sont main dans la main, la corporation et le truc, et les militants. Hein, » Et c'est un truc qu'on voit souvent, on va souvent reprocher, par exemple, dans les manifs pour les militants violents, comme les Black Blocs, on va souvent leur reprocher leur violence, parce qu'on leur dit « Vous faites le jeu du gouvernement qui s'autorise du coup à être plus violent. » Et du coup, ce qui laisse en fait les militants sans solution à part la non-violence, et ça a été pourtant beaucoup montré
dans des bouquins et tout, que la non-violence c'est aussi un mode de militantisme qui sert beaucoup l'État et qui sert beaucoup le pouvoir. Et voilà, et on voit plein de figures politiques d'ailleurs qui ont été associées à la non-violence alors qu'elles ne l'étaient pas, comme je pense à Nelson Mandela, qui a été enfermé en prison parce qu'il avait appelé à prendre les armes contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc on voit que le jeu aussi, peut-être que des fois, il a ce questionnement-là, j'ai l'impression. Oui, bah, il le met en scène, en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Puis notamment à travers, là on ne voit pas dans cette ouverture, mais le personnage de Tifa, qui est la meilleure amie d'enfance, bah, une amie d'enfance de Cloud, et une sorte de d'allié de Barrett, qui elle est en désaccord avec les actions, la destruction des, je dirais, elle est mal à l'aise d'un point de vue éthique avec les actions d'Avalanche, mais en même temps, elle ne peut pas ne pas y participer. Donc on voit là la complexité de la chose. Oui. Ouais, qui est la complexité réelle de qu'on peut observer dans les milieux militants, en fait, hein, ce truc de, voilà, de débat toujours entre les méthodes et les stratégies, et comment on arrive à nos fins, et le fait que des fois on fait des choses qu'on aimerait ne pas faire, mais en fait, c'était Mao qui disait, je crois, la révolution, c'est pas un dîner de je sais pas quoi, ou une partie de... Bon, après, la référence vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, cette question de... oui, des fois, genre, inverser le pouvoir, c'est pas forcément juste... discuter avec des gens, des fois c'est un peu plus dur que ça, quoi. Ah, d'ailleurs, ouais, de toute façon, la structure, c'est de la structure de tout, presque de tout RPG, mais est une montée. Je veux dire, il faut gagner en puissance en quelque sorte pour avoir une puissance d'action sur le monde, sur l'univers, quel que soit l'ennemi. Mais effectivement, il y a comme cette quête d'agentivité, de développer des formes d'action, même si c'est par des trucs aussi simples que gagner de l'expérience, avoir des nouveaux sorts. Mais c'est des compétences, voilà, qui permettent d'agir dans le monde puis de le changer. Il y a Griffou dans le chat qui complète l'aspect genre Hollywood qui pollue avec des discours écolo, notamment Mad Max Fury Road qui avait un discours, voilà, écolo et tout ça, alors que, comme il le dit, le tournage a nécessité des relookings de paysages, et il y a un désert, du coup, je crois que c'était en Afrique que ça a été tourné, qui a été complètement ravagé. Enfin, il y a eu beaucoup de dégâts sur les lieux de tournage, quoi, alors que c'était un espace à préserver, quoi. Alors, ce qui était intéressant aussi avec cette plus grosse explosion déclenchée pour manipuler l'opinion et pour faire un petit peu passer ce groupe pour nuire à sa réputation auprès de la population, c'est qu'on a vu du coup les conséquences ici, du coup, avec des accidents de voiture et des conséquences en fait sur les autres. Donc un petit peu cette manipulation qui permet de retourner un peu la population contre Avalanche. Et là, cette séquence qu'on regarde maintenant, qui est donc un train qui permet à nos protagonistes de rentrer chez eux. Une ville, d'ailleurs, la ville de Midgard étant divisée en secteurs. Et on a quelque chose qui est très développé dans cet épisode, qui est un petit peu les commentaires en permanence des habitants de Midgard, qui sont vraiment en train de commenter. On voit les textes sur le côté, en fait, qui montrent ce que les gens disent. Je me demandais si on allait les voir. Donc oui, effectivement, on voit là, c'est intéressant quand même que le jeu montre un peu les impacts sur la population. Ça reste assez... Est-ce qu'il montre des gens dans la population qui sont contents de voir ça aussi, ou est-ce que c'est vraiment que genre des gens qui subissent des effets négatifs? Il me semble que les réactions de personnages non-joueurs sont plutôt... Il y en a certains qui parlent, mettons, de l'importance de protéger la planète, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont plutôt... ouais, négatif, je veux dire, qui sont critiques de l'action d'Avalanche. Voilà. Il y a aussi, mais je pense que c'est pas dans cette séquence, une séquence assez intéressante où on confronte un cadre de la Shinra, ce qui est assez drôle en fait, où Barrett va interagir. En fait, le jeu donne aussi, disons, la voix à différentes opinions. Mmh. C'est intéressant aussi d'avoir cette multiplicité de points de vue. Et là, on a vu quelqu'un qui a dit sans les réacteurs Mako, on serait un peu dans la mouise, nous aussi. Et c'est intéressant parce que ça montre aussi vraiment que ils ont conscience, et le jeu a conscience, que la réussite, en tout cas, de la lutte écologiste passe aussi par une grosse interrogation de notre mode de vie, en fait, du confort qu'on a aujourd'hui et qu'on ne peut pas maintenir. Oui, c'est ça. Dès le premier, le FF7 original, justement, il y avait des personnages, notamment un personnage dans la seconde ville qu'on explore qui s'appelle Calme, qui dit oui, comment s'opposer à la Shinra alors que notre confort dépend d'elle. Donc c'est voilà. Voilà, donc ça, c'est exactement ce dont on est en train de parler. C'est le conflit entre les rebelles et les gens qui ont peur d'eux, en fait.
Voilà, après on voit que c'est des gens en costard et tout, donc c'est plutôt de la, c'est plutôt des bourgeois, donc c'est pas étonnant qu'ils aient peur de ces militants-là, puisque c'est plutôt des gens qui dominent dans ce système-là, en tout cas qui sont plutôt au sommet de la hiérarchie, quoi. Je trouve c'est intéressant déjà parce que je pense qu'il n'y a pas tant de jeux vidéo qui mettent en scène des employés d'entreprise, des cadres, etc. Il y a comme ce côté-là que je trouve intéressant. Oui, et qui met en scène aussi des rapports de classe assez évidents et qui les assume, quoi. C'est pas un jeu qui fait genre on est dans une société sans classe ou quoi. Non, clairement, il montre qu'il y a des classes, il montre qu'il y a des conflits entre ces classes historiques et que du coup, il y a des désaccords sur les stratégies et sur qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, complètement. Et... oui, d'ailleurs, ce qui est assez, qui correspond assez bien, c'est par exemple, genre, les théories marxistes de la littérature, genre Lukács, tout ça au début du XXe siècle, qui disait que le but de la littérature, c'était de lutter contre l'aliénation en rendant visibles les luttes de classe, les structures d'oppression, etc. Puis effectivement, étrangement, c'est un jeu qui, bah, peut-être pas étrangement, mais c'est un jeu qui, oui, met à jour les tensions de classe, t'as bien raison. Est-ce qu'il y a, moi, quelque part, enfin, j'ai l'impression que c'est des œuvres qu'on voit beaucoup. Genre venir d'Asie, parce que je pense aussi à Snowpiercer qui montrait aussi de manière un peu caricaturée, mais en tout cas visuellement les rapports de classe et c'est des choses qu'on a, peut-être on ose moins faire, je sais pas, j'ai l'impression aux États-Unis. Ceci étant dit, moi, ben c'est tu sais que c'est une BD française à la base, Snowpiercer. Ah. C'est, ouais, c'est, moi okay, que je ouais. connaissais pas, j'ai lu d'ailleurs par hasard un peu cet hiver, puis oui, c'est oui, là, ben, c'est, ça se passe dans un train justement, mais et oui, forcément les rapports de classe ils sont matérialisés dans les wagons, dans l'ordre des wagons de train, donc là c'est un peu plus clair. Mais je trouve c'est intéressant dans des œuvres grand public de l'assumer clairement, alors que c'est plus du tout un discours qui est populaire aujourd'hui ou qui, enfin ça revient un peu, mais c'est un discours qui est souvent genre diabolisé et peu entendable dans les médias dominants. J'ai l'impression cette question des classes et de la légitimité de cette lutte en fait et tout. Donc je sais pas, de le voir dans un blockbuster comme ça, je veux dire ça pourrait froisser beaucoup de gens politiquement de voir jouer à ce récit-là. Beaucoup de gens pourraient être là en mode ah non mais moi je veux pas jouer des gauchistes comme ça, pourquoi ils m'imposent ça? Et pour autant, le jeu fonctionne et tout. Donc, est-ce qu'il y a une façon aussi de. Comme le discours est ambigu, peut-être que du coup, ça, on peut ménager son plaisir, même si on n'est pas du tout pour leurs actions? Oui, je pense que de toute façon, on peut toujours. Mais je pense que c'est lié aussi un peu à l'histoire du jeu. C'est-à-dire que quand ils sortent le jeu en 97, même si là, c'est vrai que celui-là devient un des pros avec des équipes gigantes. Ça commence à être plus gros avec Final Fantasy VII, mais ça reste une industrie un peu. Quand même pas artisanal dans les années 90, c'est assez gros, mais quand même un peu en marge, un peu marginal. Donc, du coup, un peu contre-culture, un peu, ça, ouais. Exact. Donc, un peu punk encore peut-être. C'est ça, bah, quand, un peu, puis ils peuvent se permettre, je pense, des choses que des gros blockbusters qui demandent des budgets énormes peuvent moins se permettre aujourd'hui. Du coup, le remake, bah, pour être fidèle à cet original un peu punk, tu vois, c'est pas mal, je trouve, j'aime bien cette dynamique. Détail peut-être insignifiant, mais que moi j'aime bien, Final Fantasy VII, l'original, c'est un des premiers gros budgets et c'est un des premiers jeux japonais où il y a des parties qui sont sous-traitées à des Américains. Oh. Et il y a Square, aux États-Unis qui va être chargé de certains renderings en 3D, de certaines scènes. Donc c'était déjà un jeu où il y avait une articulation avec l'Occident. Dès la création en fait. Oui, d'ailleurs je me demande si c'est pas le design des personnages et peut-être un peu par exemple d'avoir fait un personnage noir comme Barrett et peut-être lié à ça leur ambition par exemple de quoi que je sais pas si dans les autres avant il y en a en tout cas bref de parler en tout cas à un public côté plus international américain en tout cas. C'est la première fois qu'on a une sortie quasiment partout avec le système des CD-ROM et des systèmes PAL. Et du coup, c'est aussi la première fois que ça va sortir aussi sur PC et que ça va très très bien marcher sur PC aussi après être sorti sur PlayStation. Et c'était pas la première fois qu'il y avait des annonces à la télé aussi. Moi, je me souviens d'avoir vu ces publicités avec beaucoup de joie à l'époque. Oui, en tout cas, c'est un jeu qui a fait rupture de toute façon, au moins dans la catégorie des RPG. Et c'est peut-être naturel, je veux dire, Squaresoft a exploité le filon en quelque sorte, c'est un peu. Alors moi j'avais une question, peut-être plus pour Pierre-Louis qui a beaucoup joué aux deux épisodes, mais on ne peut jamais vraiment isoler l'esthétique ou le discours d'un jeu de ces systèmes de gameplay qui sont souvent porteurs en eux-mêmes d'une idéologie, qui peuvent contredire ou au contraire accompagner un message entre guillemets, pour autant qu'il y en ait un ou pas. Et du coup on voit bien qu'il y a eu un changement... Il y a eu pas mal de changements qui se sont faits entre l'original et le remake. On est passé d'un jeu de rôle au tour par tour assez classique de Final Fantasy avec des magies à quelque chose
de qui se veut aussi plus grand public et plus impressionnant avec beaucoup de d'action. Comment est-ce que toi tu as vécu un petit peu cette évolution? Moi je suis vraiment un vieux, une grand-mère des jeux vidéo, donc en fait j'aime beaucoup les menus, le tour par tour, ça volontiers, j'aime pouvoir prendre mon temps en fait. Donc forcément là on est dans une dynamique plus d'action qui fait que bah, on est mobilisé par la performance dans le combat, etc. Donc il faut être un peu plus aguerri. D'une certaine façon, ça force le lecteur, le joueur, d'être peut-être un peu moins dans la contemplation des environnements, mais quoi que ça concerne vraiment les scènes de combat. Donc je sais pas si c'est le cas, mais je trouve que de façon générale, en tout cas, c'est aussi, je pense, parce que ce premier opus se passe entièrement dans la ville. Il y a moins, je pense qu'on n'est jamais vraiment égaré, par exemple, dans ce jeu. On peut se perdre un peu dans les labyrinthes, dans les donjons, entre guillemets. Mais il n'y a pas beaucoup de moments de vagabondage. Un peu, mais... Là, du coup, on est dans un de ces rares moments de vagabondage, comme tu dis, où c'est le bidonville, je crois que c'est ça. Enfin, c'est un quartier un peu plus prolo, quoi. Et on voit d'ailleurs qu'il y a la structure de la ville, ça, j'imagine, où le réacteur qui est au-dessus tout le temps, qui est tout le temps un peu là, qui montre son pouvoir, quoi, quelque part. Oui, c'est un monde qui, en fait, c'est intéressant aussi parce que justement, c'est un monde qui est entièrement construit par les humains. On peut dire un monde complètement anthropisé. Il n'y a pas d'éléments, je veux dire, tout l'environnement est créé de restes industriels, de débris, de déchets, un peu, je sais pas. Et je pense que ça crée aussi justement ce. Quand on arrive, par exemple, à la maison d'Aerith, on voulait montrer cette séquence. Je sais pas si on aura le temps, mais là, tout à coup, il y a des plantes. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Notre joueur nous fait signe. Tout à coup, on voit des plantes pour la première fois depuis 15 heures. Et là, révélation, il y a comme un côté, une soif de végétation qui se crée. Mais c'est vrai que ça pèse, cette esthétique. Alors, moi, c'est tout vert un peu. Ça me fait penser au passage dans les égouts qu'il y a dans quasiment tous les jeux vidéo et qui, moi, à chaque fois, m'épuisent parce que c'est des passages que je trouve horribles. Et quand tu sors à chaque fois, après, tu es trop content. Et je repense un peu à ce que tu disais de l'esthétique un peu queer du groupe, parce que ouais, c'est des rebelles comme ça, un peu punk et tout. Et c'est vrai que même, je trouve, alors, je sais pas avec le prisme japonais, mais en tout cas avec mon prisme occidental, moi, quand je les vois, les personnages, il y a un truc très queer chez eux. Enfin, lui, on dirait vraiment un twink, hein, quoi. Celui avec le bras robot, là, il a une esthétique très, très homoérotique, je trouve. La meuf avec qui était aussi là, elle a plus une allure de lesbienne que de meuf hétéro toute prépie, quoi. Donc, il y a vraiment, même, j'ai l'impression, un peu dans leur corps et tout. Bon, après, le jeu l'explore pas particulièrement, ça, j'ai l'impression, si. Mais au contraire, juste avant, Angelo... Il y a une scène de travestissement qui est dans l'original... était à peine esquissé et il y avait aussi des sous-entendus homosexuels. Une scène assez drôle aussi. C'était sur le prisme de l'humour. Dans le remake, on a Cloud qui devient temporairement une femme. Okay. Drag queen. Non, mais puis je peux dire que moi, je me souviens d'un jeune joueur adolescent gay qui joue à ce jeu en 97. C'était incroyable de voir cette séquence avec Cloud qui va dans un sauna, dans un gym avec les mecs. Genre, il y avait comme le sous-texte homosexuel et pas du tout un sous-texte en fait. C'est assez évident. Et du coup, c'était assez radical aussi à l'époque. Ouais, mais du coup, c'est pas exploré. Genre, le personnage n'a pas de sentiments pour un autre homme à un moment, ou les femmes non plus. Donc, c'est un épisode un peu comique aussi d'ailleurs. Oui, donc on reste dans un truc quand même très. Oui, normatif. Ouais, normatif. Mais ce qui a été un petit peu critiqué. Mais à l'époque, c'était assez radical quand même. Dans le jeu vidéo, en tout cas. Quoi. Dans le remake, ce qui a été un petit peu critiqué, c'est qu'ils ont rajouté une dimension scénaristique qui n'était pas forcément là autant avant, qui est que tous les personnages féminins draguent de façon extrêmement insistante Cloud, qui n'est pas forcément toujours très intéressée, mais elles sont toutes amoureuses de lui de base, sans qu'il fasse rien de spécial. Oui, ça, c'est un peu ce truc de, je pense, pour faire plaisir aux joueurs aussi, qui est assumé comme masculin et hétéro, de le faire incarner un personnage qui a du succès comme ça. Je pense qu'il y a aussi ce. Ouais, c'est si, mais oui, c'est. Ah non, mais. Donc, comme Pierre n'a pas de micro. Non, mais disons que c'est joué aussi sur ce fantasme-là, quoi. Mais. Mais je peux dire que c'était déjà. Je suis d'accord, effectivement, c'est vraiment la femme des. Bah, en tout cas, après, les personnages féminins, ils ont quand même. Aerith, elle est quand même. Elle se moque de Cloud tout le temps. Surtout, elle est encore plus moqueuse, en fait,
puis c'est elle qui mène l'action. Dès qu'elle rencontre Lad, c'est elle qui gère les choses en fait. Mais dans l'original, il y a déjà cette rivalité un peu bizarre où il faut un peu choisir entre Tifa puis Aerith, puis les deux, ouais, il y a une compétition entre les deux femmes pour mettre le grappin sur le héros. Et qui ne représente pas vraiment la même chose parce que Aerys est vraiment liée, elle incarne elle-même dans son corps le destin de la planète et la nature. Et donc, comme elle va mourir. Nouveau spoil. Non, je ne savais pas. Ouais, c'est le truc le plus connu du jeu vidéo depuis 20 ans. Ça va. On a tous pleuré. Ça va, les amis. Et donc, mais pas dans cet épisode, non, en tout pas cas. Dans cet épisode. Mais c'est vrai qu'à quelque part, elle est vraiment la femme, c'est le personnage clé, c'est Aerith au fond. Oui. Mais on retrouve souvent ce truc de genre par l'innocence de la féminité de la femme, ce truc d'incarnation du coup de la planète Terre et de la nature, et c'est ça qu'il faut protéger, et qui à la fois intéressant dans un angle écoféministe et tout, et dans un sens est aussi un peu essentialiste, je pense, notamment parce que ça associe du coup le corps de la femme au corps reproducteur, alors qu'il y a des femmes trans par exemple qui n'ont pas d'utérus, etc. Donc ça ramène aussi à une identité de la femme comme un corps biologique très précis, alors que la femme c'est avant tout une construction sociale et pas une réalité objective, matérielle, biologique, je veux dire. Donc, oui, et puis de ce point de vue-là, c'est pas un jeu qui déstabilise particulièrement la représentation de la femme ou en termes de genre, mais par contre qui pose des questions, en fait qui thématise de façon intéressante les questions de maternité. Juste vite fait, parce que je disais juste en termes de male gaze, le personnage, mais oui, effectivement, elle est assez, d'ailleurs ils ont réussi à la, en tout cas ouais, bon bref, ses cheveux sont pas mal, parce que je me disais ça pourrait être assez horrible d'adapter ça parce qu'à la base, bon, sa coiffure à Tifa était pas, je voyais pas trop comment il allait réussir à la faire un peu avec plus de détails. Voilà. Non, mais je voulais juste dire pour la question de la maternité, parce que comme des mères monstrueuses dans le jeu, des mères un peu plus mythiques, écolo, la mère d'Aerith notamment. Donc il y a vraiment une sorte de thématisation de la question de la maternité, des filiations maternelles, puis aussi la question de la planète qui est notre mère à tous, genre, par exemple. Mais c'est encore un schéma qu'on retrouve aussi chez Miyazaki, hein, qui a toujours des héroïnes féminines. Je pense beaucoup dans Nausicaa, par exemple, avec cette héroïne qui est genre en lien très profond avec la nature et qui est la seule à la comprendre un peu par rapport. Donc, du coup, c'est un truc qu'on retrouve aussi ici avec Aerys, du coup. Et ouais, voilà. Oui, et Barrett aussi, non, qui est père et qui s'occupe. C'est surtout lui qui s'occupe, ouais, de Marlène. Oui, je ne sais pas c'est qui la mère, en fait, de Marlène. Mais c'est le couple de ses amis qui sont morts à cause de la Shinra. Le fameux trope de la femme au frigo, du coup. La femme au frigo, non, je ne connais pas ce trope. Il y a un trope sexiste qui fait que dans les jeux vidéo, le développement du héros masculin doit passer par la mort de la femme qu'il aime le plus. Mais non, là c'est pas ça, c'est un couple d'amis et il a adopté leur fille. D'accord, ok. Donc là je crois que c'était sa femme qui, ok, d'accord, oui, c'est pas pareil du coup. Okay. Je connaissais pas ce trope, effectivement, c'est vrai que ça, je pense qu'on peut le voir à certains. Oui. Bon, je pense à Max Payne là comme ça directement, mais. Alors on nous dit qu'on va bientôt devoir rendre l'antenne parce que les équipes de 3 et de combo doivent charger un camion. Et repartir pour la et repartir la Bretagne. Et le lieu ferme aussi, on me dit que le lieu ferme, la Microfolie à Noisy-le-Sec, qu'on remercie de nous avoir accueillis. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, est-ce qu'on veut prendre, il y a une dernière question peut-être. Alors, considérant le hardware sur lequel FF7 Remake a été publié et ses limitations en termes d'espace disque, peut-on voir dans cette économie de moyens comme étant presque écologique? L'économie de moyens, je la vois pas trop, parce que là c'est une séquence qui dure à peu près 5 heures dans le jeu original, je crois, et là elle est allée sur jusqu'à une trentaine d'heures, je crois, on peut passer dessus. Donc, est-ce que occuper moins d'espace de disque serait écologique en soi? Je sais pas, oui et non. En soi, le fait de prendre moins d'espace, ça demande moins de ressources de stockage et moins de ressources pour à télécharger si on télécharge le jeu, donc en soi on peut y voir un truc un peu plus écolo. Et en tout cas, la question de l'optimisation du code, c'est une question qui touche directement, oui, à l'écologie, dans le sens voilà, la dépense énergétique, ça a demandé de rendre le modèle 3D, etc. Donc c'est sûr, mais après, on est vraiment dans des ajustements qui sont pas. Enfin, moi, en tout cas, je trouve pas très pertinent vu l'échelle du problème. Même si oui, c'est vrai. Est-ce que finalement, l'attitude la plus écologique, c'est pas de ressortir sa PlayStation 1, de ressortir ses disques de FF7 qui ont pris la poussière depuis 20 ans, et de se contenter de ça? Mais de jouer sur émulation avec l'ordinateur que vous utilisez déjà pour travailler, je vous recommande tous d'aller jouer au jeu original.
et de rétro-gamer, c'est toujours une excellente idée. Moi, je dirais que le meilleur truc écolo à faire, c'est de trouver l'avalanche près de chez vous et de le rejoindre pour s'inscrire dans la lutte écolo, quoi. Parce que, après, je sais que c'est sur le ton de la blague, mais juste les petits gestes individuels, c'est pas ce qui fait la diff face à l'aspect systémique du problème, je pense. Et du coup, voilà. Eh ben, c'est pas du tout pour te censurer, mais nous allons rendre l'antenne. Très bien. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont regardés. Merci à ceux qui étaient là aussi dans la salle. Merci à Pierre d'avoir joué le jeu. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain Crit Twitch. Merci beaucoup. Probablement à l'automne. Au revoir.